Salut à tous, c'est Saran et je vous retrouve pour l'épisode 4 sur RIM. Ça me fait plaisir de retourner sur le jeu. Et en plus, aujourd'hui, j'ai une invitée. Oui. Bon, une invitée, vous la connaissez, hein, c'est Sandar de la S-Family. Pourquoi ? Bah parce qu'elle est en vacances et du coup, je lui ai dit, bah écoute, viens avec moi sur mon Let's Play sur RIM. Comme ça, elle va être là sur les prochains épisodes. Ouais. Ça va être cool, comme le Pocket Morty en fait. Voilà. Voilà, je vais t'aider. C'est ça, elle va me donner des conseils. Donc, vous voyez, sur l'écran de chargement, je l'ai laissé parce qu'il y a l'oiseau qui est là. Le fameux oiseau qui m'a bien fait chier le dernier épisode. Donc ça va, m'a laissé un commentaire pour me dire d'essayer de rester dans l'ombre. Ouais. Pourquoi pas. On va voir ça, parce que sinon l'épisode va être assez répétitif, c'est-à-dire qu'on va être à essayer de chasser cet oiseau. Et toi tu me disais, oui mais le renard t'appelle peut-être autre part. Oui. Alors oui, mais là je crois que l'endroit dans lequel je vais aller, c'est pas pour l'aventure directe quoi. C'est vraiment un talisman ou en tout cas peut-être un objet, les fameuses sculptures là d'animaux, je ne sais pas. Donc... on va plutôt essayer d'y aller, pas suivre le renard, parce que oui, à mon avis, il faut aller dans la grande porte, l'entrée, là, mais j'ai envie d'aller voir s'il y a un talisman. Ouais. Parce que là, ça fait un peu monde ouvert, hein, depuis qu'on se retrouve là, en bas, dans le village, on sait pas trop où aller, ce qui est plutôt cool, en fait, pour le coup. Et ça me fait penser forcément à Zelda, parce que je suis en train de jouer à Breath of the Wild, c'est ça ? Breath of the Wild. Breath of the Wild. Et du coup, ça me fait vraiment penser, là, pour le coup, esthétiquement, à Breath of the Wild, voilà. Donc, du coup, voilà, pour moi, il faut aller en face dans la porte où il y a le soleil, là. Oui, juste au-dessus, où il y a le... au-dessus, il y a un... Un moulin. Un moulin, exactement, parce que nous, on venait de la gauche, du viaduc, là, ou aqueduc. Ouais, il faut aller par là, hein, clairement. Mais bon, toi, tu voulais tester l'entrée. Je vais aller là-bas. Alors, attends. Du coup, je me rappelle plus des touches. Ça, c'est pour faire une roulade. Il n'y a pas de touche pour courir, en fait, hein, je crois pas. Non, bah non, il n'y a pas de touche pour courir. Ok, donc, là, on va aller là-bas. Et Saba m'a parlé d'ombre. Donc, par contre, là, moi, je ne sais pas tout de quoi il parle. Ah, attendez, on va essayer d'aller là d'abord. Ça fait vraiment l'impression, encore plus quand on voit en direct. Hein. C'est vrai? Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que toi, dans les épisodes, peut-être que tu te rendais pas compte. Non. En les regardant. Ah oui, l'ombre ici. Ouais, peut-être. Non. Pas vraiment. C'était bien tenté. C'était bien tenté, mais je crois que tu parlais de ça, hein, l'ombre, mais... Je pense, oui, à gauche, ouais. Mais ça marche pas. Contre, attends. Vas-y. T'es où, là? Je suis quelque part. Je suis dans l'endroit d'où je viens. Ah oui. Ah mince. Ah oui, je croyais que... Bah, je crois qu'on va le laisser tomber, et peut-être que l'oiseau, il sera plus là, après. C'est ce que je me dis, ouais. Bah non, là, il faut la clé. Ah, il faut la clé. Mais what the fuck, les amis? Et bah, j'ai envie... Truc, donc Ouais, alors j'ai un truc avec un soleil justement là. Tu vois là le bâtiment juste là, il y a un espèce de soleil. Ouais, mais il y a pas d'abri quoi. Ah si, t'en as. Si, j'en ai un juste là. Bon, c'est un peu loin, j'avoue. Oh là, allez, mon gars, allez. Oh là, c'est passé. Ok. Je vous avoue, ouais, ça met la pression. C'est ça qui est cool aussi, quoi, c'est la petite pression. Hein. Parce qu'on se rend pas trop compte du temps qu'on a en fait. Ok, donc là, on a... Oh, d'accord. Ah, voilà. Là, le fait d'être maniaque. Et apparemment, j'aurais loupé quelque chose aussi hein, avant. Oui, on m'a dit ça dans les commentaires, mais bon, bah écoute, maman est près de toi. Ok, j'interviens où là en fait Ok, je comprends rien. Faut juste que je me repère. Ok, je suis du côté là du soleil. Ah, ok. D'accord. Bon, ok, si tu veux, je vais partir par là du coup. Alors, c'est pas une question d'ombre, je pense que c'est vraiment une question d'abri. Hein. Faut qu'il y ait un truc au-dessus. Ah, pour pas qu'il puisse t'attraper en fait. C'est ça. Mais je sais pas trop. Là-bas on a un bâtiment aussi. Mais on va pas pouvoir y aller, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois le truc là-bas là. C'est trop à découvert. Ok, là on a un temple. Ok. Plutôt cool. On tombe encore? Ouais. Ah. Oh, temple du scarabée. Je suis pas d'accord, t'as pas crié. Voilà, oh. Oh, what? Ok. Je peux aller par là? Non, je vois rien. Effectivement, on ne voit absolument rien. Ah, on voit rien, on est d'accord. Dans les épisodes, on voyait un petit peu plus, je pense, que toi. Bah, en tout cas, moi, sur le Mac, je voyais un petit peu plus. Mais en fait, là, je peux faire ça, mais ça sert à quoi? Ah, ça. Avec les... Non. Il tourne de plus en plus, oui. Mais pourquoi il tournait dans l'autre sens tout à l'heure? Parce que t'étais de l'autre côté, je pense. D'accord. Ah, une clé. Ah, la fameuse clé. Oh. Ok, là on a une porte, on ira après. Ouais. On va d'abord prendre la petite clé.
Mais prends-la. Ok, je vois pourquoi ça ne voulait pas la prendre. Ok, donc là, on a, ça nous indique bien pour aller dans le moulin. On a le petit dessin. Ouais. Donc c'est cool. Ah, ouvre-toi, porte. On dirait vraiment Miyazaki, hein, t'as raison. Il se passe. Oh. Donc là, on a des éclairs qui vont tuer l'oiseau. Oh, c'est beau, il touche la petite... tout, c'est trop mignon. Trop, trop chou. Donc oui, quand on va... Alors ça... De ce qu'on je reprends, on va aller dans le bâtiment du moulin, on va activer un truc qui va tuer l'oiseau avec un éclair. C'est ça. Je sais pas, je vois ça comme ça. Mais là, après, tu pourras éventuellement... Je me trompe peut-être. Aller dans les autres endroits. Les autres endroits. Hongrois. Quel rapport avec les Hongrois? Ok, donc là, on a atterri ici. C'est pas vraiment que tu vas pas perdre ta clé si jamais... Non, mais là, c'est bon. Normalement, là, j'ai compris que je pouvais aller jusqu'à la porte par là. Ah, je fais des petites roulades et tout. Assassin's Creed, mon gars. Brem, qu'est-ce que tu vas faire? Yeah. Ok, c'est X. Ah, j'ai fait sauter, mais j'arrête pas de le faire. Tu me l'as fait remarquer aussi. T'as regardé mon let's play, t'as dit, t'arrêtes pas de sauter devant les objets. Bah, désolé, mais bon, la touche, tu l'oublies vite. Oui, quoi? T'as peur? Ah non. Tu veux que je t'aie? Voilà. Oh! Ok, on voit le roi qui est... Ah, j'ai voulu aller voir l'oiseau et le roi vient me voir en disant non, ah oui, un truc comme ça, je sais pas, je vois ça comme ça. Ah oui, j'ai une théorie, moi. Ah, une théorie du complot, vas-y. Le bonhomme rouge qui te guide, machin, là, oui, que tu suis, ben moi je pense que c'est lui le roi. Ah, moi j'aurais dit que c'était moi plus tard. Moi je pense que c'est le roi. Ah, attends, que ça a fait là? Là j'ai fait la lune. Ah, quoi, d'où? Ah, peut-être qu'il y a un temps. Apparemment. Après, je m'en fous, hein, je suis juste devant. Du coup, ça veut dire que ça se referme derrière moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, oh, on a des galaxies un peu, je dirais. Ouais. Des constellations, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pas des galaxies, des constellations. Oui. Ok, alors, oula, oula. Ça va tourner. Ah. Oh, c'est merdique, ça. Faut bien te placer, je pense, en fait. Comme pour la porte tout à l'heure. Exact. Alors attends, il faut mettre... alors déjà ça projette une ombre ou une boule. Ici on a un petit trou. Ouais, ça a rien à voir, c'est un truc qui est pété. Je dirais que la boule doit être dans l'aliment du soleil. Hein. Ouais, je dirais ça aussi. C'est la lune, je pense, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ça active la lune. Je vais activer le soleil, moi. Ah oui. Ah mais là tu l'as plus. Voilà. Ah. D'où? Mais d'où? Oh putain. Ah, ah putain. What? Ça te fait rire, c'est horrible. Ah non, c'est la Terre. Bah c'est oui. C'est la Lune. C'est un peu concombre. Il n'est pas concombre. Oh là, oh là 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 là. C'est assez compliqué. Attends, mais pourquoi ça fait ça? Attendez, là, je comprends rien. Oh, bordel. Il y a un truc à faire, c'est pas possible. Si je m'aligne directement au soleil. Si je gueule. Je me méfie parce que tout à l'heure... Mais tais-toi. J'ai trop cru. Mais pourquoi? Vas-y, bah, hop, bah. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Quand je cache le soleil. Oui. Ah, c'est ça. Il te faut une deuxième ombre. Mais non, faut que je cache le soleil. Et comment tu vas faire? Ça va. C'est ça, c'est sûr que c'est ça. Ah, en montant. Avec la Terre, je cache le soleil. Ça s'appelle une éclipse. Là, voilà. Et puis là, toi, tu te mets devant le soleil, là aussi. Tu fais la lampe dessus, voilà. C'était ça, en fait, tout simplement. C'est une éclipse, quoi. Ouais. On vient de créer une éclipse. On est trop fort. Genre en mode what the fuck. Oula. Oh, c'est devenu rouge, c'était rouge, bizarre. Ouais. Ouais. Ah. Quoi, le petit lézard? Le petit lézard. Gecko. J'arrête Gecko. Sept Gecko. Sept Gecko, aussi.
Patate de forain. Ok, alors attends. Il faut crier. Et je sais pas si l'oiseau est toujours là. Hein. Oh là là. Là, il peut t'attraper là. Là, tu peux, je pense, aller sous les trucs pour pas qu'il t'attrape. Oh là, ça fait quoi là? What the fuck? Bah c'est ça. Je viens de libérer une espèce de truc noir, c'est ultra dégueulasse. Ça va être le... je pense le... ce qui va faire l'orage là. C'est rien mais... ok, faut que j'ouvre tout le truc, tout le tour. Là, on va finir là, je pense. Oh, c'est chaud. Si je vais là, il me chope ou pas? Non, il me chope pas. Non. Ok, je peux pousser ça? Non. Celui-là est pété de toute façon. Mais alors, comment je fais si celui-là est pété? Je sais pas. Faut que je passe par là. Est-ce que là, je suis protégé? Oui. Ok. Putain, avec la vue comme ça, c'est super bizarre. Ok. Oh putain, en plus ça m'a touché mon siège là. Ça m'a fait trop peur. Non, t'inquiète, mais ça m'a fait super peur en fait. J'ai cru que j'allais pouvoir. Mais je n'ai pas pu. Bon, ça va tuer là. Je suis où en fait là? Ah d'accord. Bah non, mais c'était bizarre. Ok. Oh putain. Ok, comment je suis censé faire là pour me cacher? Sur les trucs en métal, tu les protéger. Ah oui, en dessous, surtout. Ok, je restais là. Tu peux plus. C'est déjà activé, d'accord. Après, je peux déjà me débarrasser de ça, quoi. Allez, allez. Ok. What the fuck, les amis? Vas-y, tue l'oiseau. Tue l'oiseau. Oh le pauvre. Ouais. En fait, j'aimais bien quand même. Je sais pas pourquoi. Ah, mais t'as voulu ta boule. Donc là, il se barre, quoi. Du coup. Ah, mais du coup, j'ai mis un espèce d'orage horrible au-dessus, là. Ouais. Ah, le renardo. Mon petit renardo. Le renard n'a pas peur. Non, lui, il s'en fout, le renard, depuis le début. Hein. Mais je te suis. Et puis, je vais aller voir, du coup, ce que je voulais aller voir depuis le début. Maintenant. Ah oui d'accord, c'est là qu'on voit la sauvegarde, parce qu'on ne voit pas sur... C'est quoi ça, par terre? Il y a un mec là? Hein? Ah là, il y a un mec là! Ah là oui. Ah oui, il y en a deux. C'est des âmes. Tu vas pas voir les âmes? Bah, je vais d'abord choper le truc que je voulais choper. Ah oui. Par contre, c'est super glauque là, c'est très très sombre et tout. Ouais. Ok. Je viens de manger le mur, c'est... je savais pas que c'était possible. Allez, vas-y. Vas-y, mon petit gars. Ah. Oh. C'est un objet. T'as bien raison. Ah non, c'est un nouveau truc. Oh. Ah oui, c'est les lullabies. C'est ça. C'est les balades, comme t'as dit, ça va, les berceuses. C'est ça. Et tu pouvais pas les... À droite. Non, c'était... ça menait sur l'autre. Ah oui, d'accord. Alors, qui c'est ça? Je peux lui parler ou... Oh, il me fait... Elle a peur de moi? Elle s'enfuit, d'accord. Oh. Oh, les pauvres. Alors ça fait très Miyazaki, effectivement. Ouais. Non, t'inquiète pas. Et déjà, les petits bonhommes dans lesquels attention, tu cries... Attention, siège, s'il te plaît. Oui, les petits bonhommes dans lesquels je crie, ouais. Lesquels? Ça fait... Bah, oui. Les statues, là, ça fait déjà... Oui, ça fait déjà Miyazaki, ouais, c'est ça. Les bonhommes de la forêt. C'est le style, quoi, avec la grosse tête ronde. Mmh. Donc, faut que j'aille là, hein, moi, je dirais, dans le temple. N'aie pas peur. Et après, il faudrait que j'aille dans le phare, quoi. Ah, là, il y a ça aussi, où je peux aller au nid. Ouais. Récupérer ma clé. Ta boule. Oh. Voilà. C'est bien que j'aille là, quoi.
Ok, oh la vache. C'est bien fait parce que tes yeux s'accommodent difficilement en fait. Ouais. C'est super bien fait. Par contre, j'aime pas trop le son. Il y a des putains de d'esprit là. Mais genre, il est où en fait? Là, je fais rien, putain. Dans l'escalier derrière moi? Mais comment je suis censé faire? Oui, oui. Je sais pas où je dois aller. Ah, je sais pas. Sauf quand je vais être de ce côté-là. Tu peux aller dessus, là? Au-dessus, tu penses? Non. Tu penses? Ouais, je sais pas. Je vois pas très bien non plus. Ah non. Pas vraiment. Si je vais dans l'escalier directement, que je saute. La tête que j'ai fait. Ah, crie. Ça aura plus de lumière. Ouf. Bah, je veux pas crier pour l'instant. Ah, mais c'est ce que je voulais faire, mais il voulait pas tout à l'heure. Ok. Bon, des fois je comprends pas tout. Tu peux? Non. Oh. Non, je vois rien, je suis destiné à rien voir donc. Donc je ne verrai rien. T'as de la chance de pas être tombé dans les autres épisodes. Bah je faisais gaffe parce que je voyais quand même un peu, tu vois, mais... Tu fais gaffe, mais... Des fois, ouais, c'est chaud. Ok, par là. Là, par exemple, je vois qu'il y a des trucs sur les côtés, quoi. Faut que je fasse gaffe. Ouais. Je vois, il y a peine. Waouh, c'est beau. Mmh. On se met à chanter et tout. Na 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 na. Beat it. Beat it. Ok, waouh. Ok, mais je sais pas du tout ce que je fais là, par contre, c'est super chelou, parce qu'à la base, moi, je voulais aller retourner au nid, mais je suis allé là. Donc, est-ce que c'est un truc secondaire, ou... C'est pas trop. Ah. Ok, par là. Où est-ce que je vais, là, en fait? Où est-ce que j'atterris? Parce que là, il y a de l'eau. Ça crie. Ça a carrément crié. Ça fait tellement Tomb Raider. Ouais, bah oui, clairement. Bah, de toute façon, les passages dans l'eau, c'est que Tomb Raider, quoi. C'est... Mm. What? J'étais dans le désert, j'atterris ici. Ok. Ah d'accord, c'était au-dessus le désert. Et il y a encore... Ouais, il est là, l'oiseau. Mais what the fuck? Il va me faire chier tout le temps ou quoi, cet oiseau? Parce que je l'ai fait fuir de la partie de là-bas, mais pas d'ici, quoi. Là-bas, il y a un bateau échoué, j'ai trop envie d'y aller. Je suis un peu sûr que tu puisses attendre. Ah, c'est bon. Ça le fait. What? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est là d'où je viens? What? What? Ça m'a servi à quoi d'aller là? Clairement. Clairement, ça m'a servi à quoi. Ça a bien une utilité d'aller là. Ou pas. Je ne sais pas trop. Parce qu'il y a l'île en face, ok. Je peux pas y aller à la nage. Puis il y a le bateau là-bas, mais il est trop loin. Peut-être que après. Je sais pas. Ok, bon. Je crois qu'on va devoir y retourner. Hein. Je crois qu'on a trop le choix. Hein. Faut qu'on remonte. Ouais. Je pense qu'on s'est un peu foiré de chemin, malheureusement. Ouais, par là. Ok, 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 ok. Bon, j'ai des petits trous là, je m'en fous, t'sais. Non, mais je vois pas du tout. Alors, faudrait directement monter dans le nid, peut-être, vu qu'il a été chassé de cette zone-là pour l'instant. Ouais. Je sais pas, on va aller voir. J'ai encore voulu faire un peu trop dans le désordre, je pense. En fait, c'est pas évident de savoir l'ordre. Et puis le renard était à côté. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, ouais, c'est pas faux. Donc, c'est que c'est là qu'il faut aller, hein, je sais pas.
Je suis intrigué. Ok, et en plus là, je suis censé pouvoir y retourner là ? Ouais. Allez, comme ça, en montant. Ok, donc là, le renard est là. Non, il était là. Parce que le but, c'est que j'aille là-bas. Mais ça va être chaud. C'est trop bizarre le temps, du coup. Là, ouais. Sous le truc. Je suis allé là-bas, du coup, il faisait beau. On va essayer de monter au nid. Ouais. Je vois que ça, hein. Pour prendre la boule. Oh. Là, ils ont vraiment peur de moi, hein. C'est... Je suis vraiment moche ou... Je sais pas, mais je leur plais pas. Je me demande... Ah, mais ici, il y a des ronces. Et voilà. Et parce que... L'oiseau est là. En fait, il faudrait que... Non, il faut actionner le moulin. Peut-être où le... Oui, c'est ça, il tourne pas. Il faut actionner le moulin pour qu'il puisse tourner et dissiper... Mais celui-là, mais il est... c'est fini, celui-là. Non, mais qu'il puisse propager le... Tu vois, le tonnerre, quoi. Parce que là, du coup, dès qu'il y a du soleil, l'oiseau est là. Moi, je dis, faut aller au l'autre moulin. Parce que le moulin de là-haut, tu vois, j'y étais. Et il n'y avait plus rien à faire, tu vois. Oui, ça m'a clairement dit d'aller là, quoi, tu vois. Avec le renard ici. C'est toute la partie qui est à l'ombre, tu vois. Où je suis protégé, maintenant. Oui. C'est ça, en fait. Donc ça va, n'avait pas tort. Non, mais c'est pas ça. Mais du coup, faut que j'active les autres moulins. Moi, je veux bien y retourner, mais on m'a dit de descendre, tu vois. J'ai fait un petit cut parce qu'on est remonté là-haut et bon, il y avait rien en fait, il y avait effectivement rien. Donc, ma théorie est moi plutôt, je sais pas ce que t'en penses, Sandar, mais voilà, c'est que les autres moulins tournent et celui-là, à mon avis, tournait de tête. Et maintenant, il s'est arrêté de tourner et c'est le but, c'est de les arrêter. Mmh. Par contre, ce que je viens de voir là, c'est que ici, j'étais pas allé. Alors que c'est dans l'ombre. Donc, autant y aller, on va aller voir. Et après, bah, ce que je me dis aussi, c'est que le renard était à la porte de là-bas, donc il nous indiquait d'aller là-bas. Donc, il va falloir redescendre et aller voir, je pense qu'il y a un truc à faire. Mais ici, il y a un truc. Donc, Ok. C'est pas grave. Ça glisse. J'ai sauté, c'est bon. Ah, c'était un item, je pense. Encore un petit truc secondaire. Ah bah, une petite hélice. Il me le fallait, celui-là. Je l'avais pas. Et j'ai loupé le petit pot de potam ou le petit cochon. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc d'ici, tu vois, en bas, on voit que du coup, on peut aller dans la partie ombrée aussi, ouais. Et il y a un truc. Eh bien écoutez, je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout simplement ça. Il faut bien qu'on descende, comme on l'a fait au début. On a suivi le renard, en fait, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, quoi qu'il arrive. Et effectivement, de là où je suis, on voit qu'en bas, il y a une partie à l'ombre, donc on va essayer d'y aller. Je pense qu'en fonçant, on peut y arriver. Hein. Il y a des chances. Ouais. Ok, bon, allez, on y retourne. En plus, c'est là où il y avait beaucoup d'esprit, tu vois, c'était fait exprès pour m'amener là, tu vois, là, il y en avait 2-3 par semaine. Exact. Et là, c'était concentré, ouais. Donc, ouais, je le sens vraiment comme ça. Te guide un petit peu, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai qu'avec un monde aussi vaste, aussi ouvert, c'est pas évident. Bah, sur la partie là, ouais, faut guider. Ouais, pour le beau gosse, mon gars. Il est fort, ce petit, quand même, hein. Ah bah, c'est pas moi qui le ferais, c'est sûr. Non, mais par là. Voilà mon gars. Petite roulade. Dans les escaliers, ça fait bien mal. Ah, je m'en fous. Doucement. Ah, je gagne du temps. T'as vu? Doucement. Tu vas lui faire mal. Mais non, mais il a pas mal, regarde. Wow, yeah, roulade sur la pierre, il s'en fout. Non, c'est vrai que là, tout de suite, quand on est dans un monde un peu plus ouvert, ouais, on est carrément perdu, quoi. Alors que avant, c'était vachement dirigiste, c'était super simple. Bah, simple. C'est poétique et simple, et là ça commence un peu à se complexifier. Parce que les décors ne sont pas... on voit pas de différence en fait, entre là où tu peux aller ou pas. C'est ça. Du coup ça va complexifier un petit peu. Un peu comme dans Zelda du coup, le dernier, le monde aussi ouvert. Ah là c'est même plus pareil quoi, mais bon, c'est un RPG donc on fait un peu ce qu'on veut dans le sens qu'on veut. Donc ok, donc là on a bien une partie à l'ombre à gauche. Là-bas. Donc on va y aller. Et si tu vas sous l'eau? C'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il te chope dans l'eau? On va tester. Oh, c'est pas con. Ouais. C'est carrément pas con. Mais c'est ça la solution, mais t'as trop raison. C'est pour ça qu'on nous a fait plonger sous l'eau juste avant. C'est ça. C'est pour nous indiquer que faut aller sous l'eau. Mais t'as trop raison, et faut aller à l'éolienne d'en face. C'est trop ça. Ah, t'as résolu l'énigme en fait. Merci.
Alors, par contre, il est un peu lent. C'est bon. Là, c'est bon, on est à l'angle. Et ça, je pense qu'en fait, c'est encore du secondaire. À tous les coups. Ah oui. Donc là, on est en train d'aller dans un endroit secondaire. Mais c'est pas grave, c'est cool. Comment il patauge. Allez, plouche, 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 plouche. Regarde, plaf, 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 plaf. Trop mignon. Ah, des vases à côté. J'ai un mauvais souvenir des trucs qui se pètent, hein, parce que quand j'ai pété l'esprit de sable, là, je veux dire, je me sentais pas très bien du tout. Eh ouais. Et deuxième morceau du truc. Bien. Super. Je pense qu'en fait, tes trucs là, il y en a un peu partout. Hein. C'est pas. Tu vois, c'est pas en fonction ouais, de la hauteur. Ah, moi je pense quand même que la zone là, c'est la zone 2, tu vois, et du coup, on a le deuxième. Moi je crois que j'ai ouais, loupé. Ouais, mais dans la chronologie du jeu. Oui. Ça suit pas. Non? Tu vois? Si, ça suit. Pour moi, ça suit, hein, clairement. Mais après. Tu sais que t'as eu le tout dernier, du coup? J'ai pas le tout dernier, hein. Je viens d'avoir le deuxième de celui-là. Ouais, mais la partie. T'avais eu une partie du quatrième truc. Non? Non. Pardon. Ouais, panique. Ah oui, j'ai eu une partie du quatrième, mais je pense peut-être que le dernier, c'est encore différent, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est juste ça, quoi. Mais oui, tout à fait. Alors, en bas, on a un truc. Ouais. C'est des bulles d'air. Oh, bien. Ah oui, c'est les corails. Les coraux. Les coraux. Voilà. Ah, c'est stylé ça, c'est stylé. Ça. Voilà, de l'air. Donc tu iras en face ou à gauche toi? Aucune idée. En face. C'est vrai que c'est perturbant qu'il n'y ait pas de jauge. Bah c'est plus réaliste mais du coup ça angoisse un peu plus parce qu'on se dit qu'on se rend pas compte quoi. Ouais, c'est... Mais bon là ça va quoi. Mais il y a quand même, de ce que j'ai vu il a une assez bonne respiration. Oui oui franchement il y a des jeux où c'est bien pire que ça. Là ça va, franchement. Ok. Là. Faut monter. Et on est dans un bâtiment donc tout va pour le mieux. Et on a une clé. Excellent. Et on a une clefs. Et c'est ça qu'on veuve. Ok, comment que je fais? Too many cook. Too many cook. Ouais, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu dans ma caméra. Ouais, je l'ai vu sur le côté. J'ai fait, wow, en gros plan. Oh putain, non, tombe pas. Ça aussi, ouais. Alors, le truc, il... Yo! Yo! Tout le monde, c'est Squeezie! Ouais, bah Squeezie là. Ouf! Putain! Ouais. Je te jure, j'aime pas du tout les phases de plateforme. Ça me. Ouais, elles sont un peu perturbantes. Je me sens pas à l'aise du tout. Putain, j'ai cru que j'allais pas y arriver. J'aurais dit non. Ok, donc là, c'est la clé du moulin. Bon, un truc comme ça, on nous dit d'aller au moulin. Bah là où on est. Le moulin de l'eau. Le moulin qui est dans l'eau parce qu'on voit l'eau en dessous. Ah. Et du coup, cette clé va être utilisable bah, dans l'autre partie où on allait aux bulles. Là. Ah, ouais. Ou alors au-dessus, là, on peut aller là-dessus. Je pense. Oh non, je pense pas. Non. Bah. L'escalade là. Ah ouais, non, ça fait. Non, ça me paraît vachement haut. Ouais. Et du coup, là par contre, c'est vachement intéressant parce que du coup. Est-ce que les bulles reviennent? Ouais. Oui. C'est ça qu'on veut, des bulles qui reviennent. Parce que si en plus les bulles revenaient pas, on était bien. Ah bah, il y aurait eu un autre accès. Ouh la vache. Ok, donc là on va aller sur la droite du coup. Et c'est super joli ta clé du coup, t'as vu? Ouais, c'est super beau. Puis de toute façon, le milieu marin est magnifique. Ouais. Là, y a rien à dire. Je like. J'ai un peu du mal à prendre les bulles, c'est un peu dommage. Là, je me vois plus haut, plus bas en fait. Mais je pense qu'il faut que je sois comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, parce que sinon tu. Donc on a un bâtiment ici et encore un bâtiment là-bas. Ah mais non, ouais. Donc on va commencer par le premier, hein, parce que on va faire dans l'ordre, hein, parce que sinon, on va encore m'engueuler, hein. On va dire, ouais, tu fais jamais les trucs dans l'ordre, t'abuses trop, Sarah, on te déteste, en plus t'es moche, en plus t'es en train de te noyer, parce que tu sais pas où tu vas, maintenant tu sais, mais du coup t'as plus d'air. Nanana. Vite, vite, je tremble, ma manette vibre. Oh putain! Ah oui, c'est comme ça que tu le ressens. J'ai eu mal au cul. Oui, ma manette vibre, hein, je vous l'ai pas dit, mais. Ma manette. Et les petits sons, oui, vite fait. Hein. Tu pouvais sortir de vous. Je sais. Ah d'accord. Mais ça sent. Pour moi.
Ça sent que... Non, ok, ça sent que c'était un double accès. Je voulais juste voir. Genre un peu comme ça, voilà. J'ai un peu un mec qui va pas du tout là où il faut. Alors que je dis que je vais là où il faut. Je suis comme ça. Ah non, c'est une double clé. Oh la merdasse. Bah mets déjà celle-là. Hein. Bah oui, je mets déjà celle-là. Comme le dirait... Et te trompe pas après quand tu reviens. Ouais, je sais. Devant le sphinx, ça, bah je sais bien. Je me suis trompé. Comme un gobel. Je voyais le truc que... En fait, j'en voyais un... Brillant. Brillant et l'autre pas, tu vois. Et du coup, tu vois, là, je me suis dit, ah bah, faut faire briller celui-là, mais non. Donc, une des deux clés du moulin, du vent, et du coup, bah, on va se laisser là-dessus. Et oh, c'est magnifique ça. On a du surf, t'as vu, sur un bateau. Bah, pas du surf, mais. Alors, la mer qui reproduit l'oiseau, ah, oui, et le personnage sur le bateau. Magnifique. Super beau. Donc, du coup, on va aller chercher la deuxième clé qui se trouve, je suppose, là où je voulais aller, hein, sous l'eau. En gros, tu vas créer une vague. C'est possible. Un tsunami. Parce qu'il y a un bateau, hein, j'ai vu au fond. Ouais. Donc, pour le. Voilà. Et du coup, bah, on fera ça dans le prochain épisode, tout simplement. Ouais. On ira chercher la prochaine clé. Et puis, ça sera cool. Voilà. Ouais. Bon, et eh bien, écoutez, gros bisous à tous. Merci encore pour vos retours, c'est trop cool. Merci à tous de m'avoir accompagné sur ce nouvel épisode. Ah, avec plaisir. On se retrouve bah, mardi prochain pour la suite du Let's Play. Et puis, sur ce, bah, abonnez-vous, laissez un commentaire et laissez un pouce bleu comme d'habitude. Bisous. Bisous. Comment tu fais pour pas continuer et tout ? Ça me trop envie. Ah bah oui, c'est le principe.